Bonjour à tous les gamers, on se retrouve avec Just Gaming sur Dragon Age Inquisition, donc la suite. Donc, on s'était arrêté là la dernière fois. On avait parcouru donc le tout le début et on a fait le choix de passer par la montagne. Voilà, toujours notre équipe de bras cassés. Montez. Donc c'est parti, on est en retour. Tiens, la façon de monter les escaliers, mon ami. Oh, c'est quelque chose. Le tunnel devrait être droit devant, et l'accès au temple de l'autre côté. De quelle sorte de tunnel s'agit-il? D'une mine? Il fait partie d'un ancien complexe minier. Ces montagnes sont pleines de passages de ce genre. Et vos soldats disparus sont là-dedans? Ainsi que ceux qui les ont enlevés? On découvrira tout ça bien assez tôt. C'est parti, attention. Montez, montez, montez. Et on va voir ce qu'il y a après. Alors. Déjà, il y a du monde. Les gars. Et quoi le bordel? Franchement. Bon. Toi, Cassandra, je veux dire. Tu vas attaquer lui. Toi, tu vas attaquer lui. Là. Toi, on va se mettre ensemble sur le groupe épère. Parce qu'il y a un peu plus dur à battre. Et pourquoi tu veux pas t'attaquer à moi et tu t'attaques à 5 minutes sur les suites? Hein, tête de fou? Oh, je suis là! C'est ma gueule ou quoi? Hein, la broine ma gueule, hein, franchement. Ah, il voit Cassandra, mais moi non, hein. Bien, les amis, on a réussi. Il m'a fait halluciner l'autre quand même. J'ai beau lui foutre des tornades dans la gueule et tout, mais rien à foutre. Rien! Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ça. Bon, pour savoir s'il y a des objets ramassés qu'on voit pas avec. Avec le. Le fait que c'est noir, quoi, c'est sombre. Bon, il n'y a rien. Donc ça sert à rien de perdre notre temps. Ensuite, par là, il n'y a rien non plus. Hop. Pas mal cette technique-là, je trouve. Fallait y penser, comme on dit. Ça évite de perdre du temps à chercher comme un con. Voilà. Bizarrement, cette technique-là, il n'explique pas, en fait. Enfin, du moins très mal. Il y a des choses là-bas. Ah, ils mettent en surveillance en plus dans la nuit. C'est pas mal ça. Donc là, on a trouvé 47 pièces d'or. Et là-bas, pièces d'or aussi, je suppose. La peau de Chatmint. Et un charme de calcul Bélair de Gurn. Ok, on va tout prendre de toute façon. On va tout prendre. Ok. Donc là, direct. Oh la vache. Oh la vache. Bon, alors, toi, Cassandra, tu vas attaquer le monsieur. Enfin, le monsieur, le spectre. Toi, là. Toi, là. Et moi, je vais attaquer celui-là. Par contre, là, voilà, j'en ai deux sur moi, là. Mais vous trouvez ça normal? Pas attaquer quelqu'un qui est tout seul, c'est impossible. Voilà. On va aider Cassandra. Cassandra, c'est un terrible chose en fait. Allez. On va tout finir. Allez! Il est là. Épine de dragon. Herbe rare grade 1. Ok.
Ok, ok. Bon, y'a rien d'autre, non. Je crois qu'on a trouvé les soldats. Ils étaient plus nombreux que ça. Les autres pourraient se terrer plus loin. La brèche doit être notre priorité. Tant que nous ne l'aurons pas refermée, personne ne sera à l'abri. Je laisse notre camarade Bounari se charger de ça. Ouais, fait comme Mélie. Parce que le camarade Kunari ne pourra pas tout faire. Du moins pas pour l'instant avec son pauvre level. C'est surtout ça en fait. Après ouais peut-être que je pourrais tout faire, mais pour l'instant je suis bien contente d'avoir mon équipe. Enfin, très très contente. Là-dedans il n'y a rien. Enfin, si elle dit pas des choses, parce que ça ne m'arrange pas plus que ça. Là. C'est la de combien là? Ouais, voilà, c'est juste moi qui ai fait le tour. Oh, poussez-vous, hein. Alors, faut que je scelle la faille et je sécurise le chemin qui mène au temple. Ok, ok, ok. Ils s'attaquent entre eux. Ah non, c'est les anciens soldats, justement. On va s'occuper de ça. Voilà. Voilà. Lieutenant, vous êtes en vie. C'était moins une. Vous secourez, les gars. Vous voyez, je vous avais dit qu'ils étaient encore vivants. J'ai bien fait de passer par là. Très bien fait. Elle est refermée. Vous commencez à prendre le coup de main? Espérons que ça marchera sur la grande. Heureusement que vous êtes arrivée, Dame Cassandra. Je ne crois pas qu'on aurait pu tenir très longtemps. Remerciez notre prisonnière, lieutenant. Elle a insisté pour qu'on prenne ce chemin. Merci. La prisonnière? Alors vous... Le jour va aller à chandelle, c'est mon boulot, pas le temps de bavarder. Le jeu va aller à chandelle. S'il y avait une chance qu'on puisse vous sauver, il fallait essayer. Alors je vous suis infiniment reconnaissante. La voie est libre vers la vallée derrière nous. Allez-y tant que vous le pouvez. Entendu. En avant, vite! Allez vous reposer les gars, on prend la relève. Également dégagé. Dépêchons-nous avant que ça ne change. J'aime pas quand même cause la Cassandra là, franchement j'aime pas ça du tout. Bon, on va faire un petit peu. Le temple est par là. Un capuchon de résistance au feu. Et un arc long de chasse. Ah c'est chouette ça. Ah, du coup, inventaire. Arme. Donc du coup, on peut l'équiper soit toujours avec les deux glaives. Ou avec un arc long. Bah l'arc long, ouais, non, j'ai pas trop envie parce que. Pas pour l'instant quoi. Ça, ça m'aide le combat. Je sais pas trop à quoi ça sert ça par contre. Parce que j'ai deux manteaux de mercenaires. Plus 6 de défense à distance. Ah d'accord, condition en fait pour le porter, il faut être un elfe, un nain ou un humain et être au niveau 6. Ok, donc en fait je peux rien faire. Je ne peux rien faire. Bon. Dommage. Et c'est, enfin, c'est bien quelque part qu'ils mettent comme ça des. Qu'on soit obligé d'être tel ou tel. Tel ou tel, comment dire. Soit des nains, Kunari, etc. pour pouvoir porter. Certains objets, je trouve que c'est pas mal. Ils n'apparaissent pas accidentellement, si. Ma brochure, je m'en fous, genre mon. Un truc. Mais il y a des moyens plus faciles de faire exploser des choses. Truc. C'est exact.
On cherchera le pourquoi du comment une fois qu'on sera hors dedans. Et c'est quoi ce bug là? Tout pourri. Le truc. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas mort d'homme, comme on dit. Bon. Voir si ça montre également les échelles. Je sais pas. Un peu, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le Saint-Temple cinéraire, ce qu'il en reste. C'est là que nos soldats vous ont trouvé. Quand vous êtes sortis de l'immatériel, il paraît qu'il y avait une femme derrière vous dans la faille. Personne ne sait qui c'était. C'est là où vous m'avez retrouvé, les gars. Pourquoi vous êtes comme ça, les mecs? Vous êtes morts comme ça? Non, sérieux? Ah, ça peut vraiment taper, hein. Putain, et on va se demander ce qu'il aurait tombé dessus, hein, franchement. Voir ce qui se passe à l'autre côté. C'est pas grave, tant pis. Hein. Mais ça a gueulé, hein, sérieux, ils ont allé à côté de toi. C'est l'occasion ou jamais de mettre un terme à tout ça. Vous êtes prête? Dites-moi juste quoi faire. J'imagine que vous avez un plan pour m'envoyer là-haut. Non. C'est cette faille qui est apparue en premier. C'est elle la clé. Refermez-la. Et peut-être pourrons-nous refermer la brèche. Alors allons-y. Et faites attention. Je le sens mal. J'ai mal. Au secours! À l'aide! Que se passe-t-il ici? C'était votre voix. Sa sainteté a fait appel à vous, mais... Que se passe-t-il ici? Allez chercher de l'aide! Vite! Nous avons une intruse. Tuez la Kunari. Vous étiez là? Qui a attaqué? Et la divine escalée? Est-ce que cette vision était vraie? Qu'est-ce qu'on voit là?
Je ne m'en souviens pas. Des échos de ce qui s'est passé ici. L'immatériel s'infiltre dans cet endroit. La faille n'est pas scellée, mais elle est fermée. Au moins temporairement. Je pense qu'avec la marque, nous devrions pouvoir ouvrir la faille et la refermer correctement. Ouvrir la faille risque toutefois de susciter des réactions de l'autre côté. Autrement dit, des démons. Ok. Il faut briser ses défenses. Épuise. En même temps, au lieu d'attaquer aussi, si tu as pas bien, bouge. Ah, et on n'est pas rendu où, hein. Ok, je vais m'occuper de la faille. Dans la merde. Il est où? Il est là. Ah, c'est Cassandra qui est là. Putain, ils sont tous dans la merde en fait, c'est ça. Oh putain la vache. Rien à foutre! S'il te plaît, pourrais-tu t'occuper de ce qui est derrière moi là? Je me sens seul au monde! C'est bien que cette histoire va être chaude. Il est où le gros pépère? Me touche pas. Ça
Ça, c'est comme ça qu'on peut l'avoir à partir du moment qu'il est fait. Ah! Me touche pas, j'ai dit. Me touchez pas. Ah bah voilà, j'ai dit me touchez pas. C'est quand même chaud, je trouve. Faut que je perturbe peut-être dans la faille. Maintenant que j'ai compris, en fait, faut vraiment. Comment je pourrais dire, l'affaiblir tant qu'on est 4 en fait. Allez les gars, allez, on est motivé, on a compris comment faire. Allez, y a plus d'excuses. Hein. Allez, on y retourne. Approche-le. Allez, d'où le truc, merde. Mais putain, mais foutez-moi la paix. Voilà. Quand on est 4, de toute façon, qu'il faut s'en occuper, c'est pas après. Il y en a d'autres qui sortent de la faille. Allez, on y va, on s'en fout déjà. Allez. Sentez faible, mais. Mais foutez. Tu me fous la paix, toi, ou quoi? Est-ce que je t'en pose des questions, moi? Non, alors me donne pas de réponse. Juste faire un truc. Merde. Prends une potion. Voilà. On va fermer la brèche encore une fois. On va perturber la brèche. Voilà. Sauver quelqu'un, je m'en fous qui casse son bras. Allez, voilà, casse son bras. On va faire ça comment? Voilà, et voilà. Je sais même pas si ça vaut le coup, est-ce qu'on peut plus le coup sur après. Après voilà, c'est un mage quand même, il devrait y avoir un truc pour qu'il se protège, enfin voilà quoi. Allez les gars là. Allez quand même, tranquille. Allez. On s'occupe pas après de nos potes, c'est pas grave. Allez les gars, allez Cassandra, allez tout le monde, allez. Mais non, mais pouvoir, tu mets ton pouvoir avec de rien. Allez, voilà. Allez, on va faire un tour là-bas. Donc. On va faire un tour là. Allez, mort Cassandra, mais c'est pas grave. Maintenant, fermez-la. Allez-y. Voilà. C'est chaud, mais bon. En même temps, faut se dire aussi qu'on est niveau 1, qu'on n'a pas beaucoup d'armes, qu'on n'a pas beaucoup fort et tout, forcément. Voilà quoi. Le courroux des cieux. Un nouveau trophée.
Bon, bah, on a fait notre objectif, c'est-à-dire de fermer la faille, hein. On n'a pas du tout chié, hein, pas du tout. Mais voilà, comme quoi, on voit que vraiment, on est vraiment dans les premiers niveaux, hein. Même les, même nos collègues, là, compatriotes, ont quand même du mal, hein, quand même, ça se voit. Galère autant que tout, mais bon. T'es rendu où, ma fille? Oh! Je ne savais pas que vous étiez réveillée, je vous jure! Ce n'est pas grave, pourquoi avez-vous eu peur? Où suis-je? Pourquoi t'as eu peur? Ouais. Pourquoi vous avez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Je ne crois pas. J'implore votre pardon et votre grâce! Je ne suis qu'une simple domestique. Vous êtes de retour à Dars, noble dame. On dit que vous nous avez sauvés. La brèche a cessé de s'agrandir, tout comme la marque sur votre main. Les gens ne parlent que de ça depuis 3 jours. Alors, les gens sont contents? Donc, vous dites que les gens sont contents de moi? Je vous répète simplement ce que j'ai entendu. N'y voyez rien d'insidieux. Je devrais aller prévenir Dame Cassandra. Elle avait dit, dès qu'elle ouvre les yeux. Et elle est... À la chanterie avec le chancelier. Oh, oh, dès qu'elle ouvre les yeux. Alors, dorsale de juif découverte d'Ars. On va fouiller déjà ce qu'il y a devant nous. Hein. Lotus de l'aube. C'est une herbe et c'est une herbe. Ok, on prend tout. Il y a des gens, des fois, parfois, on ne les comprend pas. On s'en sort. Cargaison spéciale. Armure internationale du dragon. Dague du dragon. Lire. Observation d'une patiente. Bon, bah, je vais... Si, je peux le lire. 20 espoirs. Que quelqu'un de plus doué que moi prenne la relève autant que la survivante d'expire. Prise de notes au cas où. Jour 1. Moite. Respiration superficielle. Poulpe trop rapide. Pas de réaction. Pupille dilatée. D'après le mage, sa marque vibre de magie inconnue. Je préférerais qu'on poste un templier devant la porte, on ne sait jamais. C'est de moi que ça cause. C'est de moi que ça cause, franchement. Je vais bien me mettre à voir ce que j'ai en inventaire. En arme, dague du dragon. Dague du dragon, c'est pas mal ça. On peut les kicker. On peut les kicker deux fois. Non, on peut pas. C'est dommage. C'est dommage. Et en armure. On a le capuchon résistance au feu qu'on peut pas prendre. Oh, c'est claque. Oh, ça claque. Franchement, on la met, hein. Je vois pas la différence en fait. Je sais pas si vous la voyez vous, mais c'est derrière, mais je ne vois pas de différence. Là, c'est au niveau des casques, mais je sais pas. Bref, armure, on a casque templier, mais qu'on peut pas prendre. Et matériaux de fabrication, jet de valeur. Ouais, ok. Ok, ok. Bon, bah déjà ça fait un peu plus classe, moi je trouve. Franchement. Bon, on va ouvrir. Oula. Oula. Bonjour. C'est elle. C'est la messagère d'Andraste. On dit que quand elle est sortie de l'immatériel, Andraste en personne veillait sur elle. Que la chercheuse Cassandra voudrait vous parler. Et ils font rire, sérieux. Elle va se taper sur les doigts parce qu'elle m'a enchaîné. Lol. Elle est où, Dame Cassandra, aussi, là?
elle me cherche, mais elle cherche pas vraiment, hein. Dame Cassandra. Oh putain. C'est dans les pattes, hein. Vous êtes dans les pattes. Je crois que la chercheuse Cassandra voudrait vous parler. Mais ouais, mais ça je l'ai bien compris, mon gars, mais... Ah merde, oui. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis obstiné à rester là, il y a autre chose, on va dire. Observation d'une patiente. Moins d'agitation, réaction à certains stimuli. Ses signes vitaux semblent stables. Deux personnes du coin ont tenté de s'introduire dans la chanterie pour tuer ma patiente. Tous ses efforts pour lui sauver la vie et l'exécuteraient juste comme ça. J'informerai Dame Cassandra que son réveil est prévu d'ici demain matin. Putain, ça parle sur ma gueule, hein, sérieux. Franchement. Peau de Bronto. Ok. Mais en fait, je me dis que tout à l'heure, j'ai lu un truc qui. Enfin, la lettre, elle était 1, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est la 3. Donc, par logique, ça, c'est la 1 et l'autre, c'est la 3. Il y a la 2 quelque part. Je cherche la note 2, j'aimerais savoir ce qu'on dit sur ma gueule. Ça m'importe. J'aime pas trop qu'on parle sur mon dos comme ça, moi. Franchement. Bah, y'a rien par là. Priez pour moi, mettez-vous à genoux. Ah bah, là. Ah non. Le Macari d'Andraste. Le vieux Mabari d'Andraste apparaît pas dans la cantique. Et si vous demandez aux bonnes sœurs, elles vous diront que c'est des bobards. Qu'Ancastré a pas eu de clébar. Mais tout Felderen le sait bien, Notre-Dame avait besoin de quelqu'un la nuit pour lui réchauffer les pieds. Et voici le Mabari d'Andraste. La vache. Aux côtés de la prophétesse dans le combat contre Devinsté. Oh la vache, il y a tout ça à lire. Bon, je vais pas vous lire tout, hein, vous savez, je suis en protège. Voilà, je vous le fais le défiler, c'est déjà mal. Vous pouvez me dire merci pour ça. Hein. Alors ensuite. Pourquoi tu peux fouiller ma fille? Voilà. Nœud d'amoureux moitié gauche. Et du fer. Ok. La même, je vous fais défiler si vous voulez lire. Après, vous allez juste mettre à se mettre pause sur la vidéo, hein, de toute façon. Voilà. Hop. Ensuite. Putain, sérieux, ça fait un moitié bizarre, sérieux, comment il me regarde et tout. Enfin, je sais pas quoi. Ok, j'ai fait quelque chose de bien, ça, je l'ai compris, hein. Pas de soucis, mais je sais pas quoi. Ils sont tous là, figurine de Maferat le traître. Ok, je fais quelque chose de bien, mais bon, ça a rien à se mettre à genoux devant moi, quoi. Enfin, je vous fais pas la peine non plus, franchement. En tout cas, j'ai pas mal de choses à récupérer là. C'est vraiment un village, quoi. Enfin, il y a quelque chose par là. Ah, c'est une herbe. Ça, j'apprécie vraiment. Ah, il y a encore autre chose. Du laine d'agneau. Ok, on suppose que c'est faire des armures, un truc comme ça. Des pierres. Anneau de pénétration de garde. Ok, on va tout prendre et on va l'équiper. Alors, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Inventaire. Donc, accessoires. Voilà. Voilà. Il
Ouais, je sais pas, je comprends pas trop par rapport au truc, mais ça. Alors, accessoires, c'est bon, on a tout fait de toute manière. Enfin, tout fait. On a tout mis sur Sheena, ce qui pouvait être mis. On va aller voir. Chancelier Roderick dit que la chanterie ne veut rien avoir à faire avec nous. On va voir Cassandra. C'est bien d'aller dans un château comme ça, arc de chasse. Ah, c'est un schéma d'arc de chasse. Donc, qui dit schéma d'arc de chasse dit qu'il y aura de la fabrication à faire. Il y a des choses à lire hein, pour ceux qui aiment bien lire. C'est ravi. Hein. Je peux pas tout lire non plus. Enfin, quoi, si je lis tout, la vidéo elle fera 1h30 juste lecture, quoi. C'est pas super non plus. C'est pas ce qu'on veut, quoi. J'attends Cassandra un petit peu. Je vais ouvrir la porte. Moi, il y a peut-être des choses là-dedans. En tout cas, s'il y a rien, moi je pourrais dire j'ai été voir. C'est quoi ça? Voilà, encore de la lecture. Hein. Casque des marches libres. Ok. Encore un peu de lecture? Je vous gâte. Hein. Les lecteurs là, ceux qui aiment bien lire, ceux qui aiment bien tout ça. Là au moins vous êtes gâtés, il n'y a pas de souci. Alors, ensuite par là, c'est quoi? Ouvrir. Ouais, c'est cool, il n'y a même pas besoin de faire du crochetage. Nickel. Allez, hop, un peu de lecture encore une fois. Voilà, là, ça c'est un épisode spécial lecture. Voilà. On va fouiller. Lotus de l'aube, herbe rare et elfidée. Ok. Allez, encore un peu de lecture. Voilà. Encore un peu de lecture. Non mais sérieux quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Sérieux, ceux qui aiment bien lire alors là. Allumer. Allumer le feu. Ah non, j'ai pas eu le droit d'allumer le feu. J'ai ouvert la cellule. Ok, pourquoi pas. À quoi ça m'a servi? À fouiller un coffre. Ok, je prends tout. Il est plus clair. C'est bien, il n'y a même pas de crochetage à faire. Enfin, c'est bien et mal, quoi, mais c'est bien quand même. Parce que franchement, je pense que j'aurais galéré encore une fois. J'en ai un peu marre de galérer en fait. Il n'y a rien. Là, on peut fouiller un coffre. Là, on peut ouvrir. La pauvre Cassandra qui nous a vu passer devant elle comme une conne. Maintenant, qui attend pendant que nous, on s'amuse à faire tous les toutes les prisons. Allez, encore un peu de lecture. Ah la vache. Je suis vraiment, comment je pourrais dire, hallucinée par toute la lecture de ce gameplay. De cet épisode, franchement, je suis sur le cul, comme on dit. Là, y'a rien. Franchement, je crois que je vais appeler le gameplay spécial lecteur. Avis à ceux qui comprendront. Bon, bah, j'ai fait le tour en fait. C'était quoi ça? Rien. Ok. Bon, bah, c'est parti. On va aller voir Cassandra maintenant. On a récupéré quand même des choses, hein. Comme quoi, on n'est pas venu pour rien. Ah là! Voilà, quand on est trop grand, ça donne ça. Bordel. Alors... Frère... Un autre ami.
Eh bah tiens, il y a encore une porte à ouvrir. Eh, un peu de lecture. Ah, sérieux. J'ai jamais vu autant de lecture en si peu de temps, quoi. En tant des ennemis, vous trouvez parfois des objets de collection uniques. Apportez-les à la chercheuse pour en savoir plus sur vos adversaires et gagner des bonus de combat entre eux. Ok. Si vous trouvez quelque chose cette fois-ci. Non, il n'y a rien, c'est pas un coffre ça? Bon. Si vous trouvez quoi que ce soit, apportez-le. Ok, ok, ok. Bon, mais il n'y a rien à faire. Il y a une porte par là aussi. Hop là. La 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 la, je ne ferai plus de commentaires, mais j'en pense pas moins. En tout cas, je pense qu'il y en a qui vont être contents. Voilà. Si je me rassure en me disant ça, en fait. Mais bon, de toute façon, j'ai fait toutes les portes. Donc là, ça sera notre amie Cassandra, je suppose. Enchaînez-la. Je veux qu'on la prépare pour son procès à la capitale. N'en faites rien. Laissez-nous. Vous jouez avec le feu, chercheuse. La brèche est stable, mais elle reste une menace. Je refuse de fermer les yeux. Vous voulez mon aide encore? Vous me soutenez toujours? Je fais ce que j'ai pu. Vous me soutenez toujours. Donc je suis toujours une suspecte, même après ce qu'on vient de faire. C'est ce que vous êtes, assurément. Non, c'est faux. Quelqu'un a provoqué l'explosion au conclave. Quelqu'un que sa sainteté ne soupçonnait pas. Peut-être qu'il est mort avec les autres. Ou qu'il a des alliés encore en vie. Vous me soupçonnez, moi? Vous, et beaucoup d'autres. Mais pas la prisonnière. J'ai entendu les voix dans le temple. La divine l'a appelée à l'aide. Donc sa survie, cette chose sur sa main, tout cela n'est que coïncidence. Non, c'est la providence. Le Créateur l'a envoyé nous aider dans cette épreuve. Vous croyez à mon innocence, vous en êtes sûr, je ne suis pas l'élu. Que voulez-vous de plus? Vous êtes sérieuse, croyez à mon innocence. Donc vous avez changé d'avis à mon sujet? J'avais tort. Qui sait si j'ai raison maintenant? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas nier que vous étiez exactement ce dont on avait besoin à ce moment-là. La brèche est toujours là, et votre marque est notre seul espoir de la refermer. Ce n'est pas à vous d'en décider. Vous savez de quoi il s'agit, chancelier? Une ordonnance de la divine qui nous autorise à agir. À partir de maintenant, je déclare la renaissance de l'Inquisition. Nous refermerons la brèche, nous trouverons les responsables et nous rétablirons l'ordre, avec ou sans votre approbation. En gros, ta gueule! Telles sont les instructions de la divine. Trouver ceux qui accepteront de se dresser face au chaos et refonder la première Inquisition. On n'est pas prêt. On n'a ni dirigeant, ni effectif, ni le soutien de la chanterie. Nous n'avons pas le choix non plus. On doit agir immédiatement, avec vous à nos côtés. C'est assez étrange. Je veux aider. Si vous cherchez vraiment à rétablir l'ordre. Oui, c'est le but. Aidez-nous à régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Elle est contente. Première fois que je la vois sourire quand même depuis le début du jeu. Hein. Même pas de l'épisode, hein, du jeu. Bon. Ensuite, ça va donner quoi cette affaire?
Tout ça, c'était juste le début qu'on a fait depuis deux épisodes. Ok. Bon, bah au moins on sait que qu'on a fait tout le prologue en deux épisodes. Voilà, hein, clairement. Donc bah je vais vous laisser là, les gamers. Hein. Et puis bah on va voir pour faire les prochains épisodes vraiment dans le véritable jeu du coup. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre commentaire, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à dire ce que vous en pensez. Et puis bah nous on se retrouve très très bientôt pour la suite de Dragon Age Inquisition. Voilà, allez à plus les gamers.